Yo les trashers! Enfin, Pokémon Uranium est de retour. Ce let's play épique mais en même temps complètement stupide. Elle a l'air complètement gogole, elle louche. Tu as du potentiel. Ouais, c'est ce que disait ta mère. Une fourmi rouge! Mais ça fait trop mal les fourmis rouges, ça se met dans tes slips et tout. Et ça pique. Donc voilà. Disponible tous les mercredis sur Pokémon Trash, vous est proposé par moi, Fildrong, le plus barbu de Pokémon Trash. Pokémon Uranium est un fun game de folie prenant place dans la région de Tandor. Notre héros part à l'aventure pour récupérer les badges comme dans tout jeu. Mais des étranges accidents nucléaires qui corrompent les Pokémon surviennent un peu partout dans la région. Ah mais c'est pour ça que le jeu s'appelle Pokémon Uranium. Putain, Léviator nucléaire. On va l'appeler... Fukushima. Mais non, mais... Oh putain, ça passe Fukushima. Sans oublier qu'il y a 10 ans, la mère du héros a déjà sauvé Tandor d'une catastrophe nucléaire en se sacrifiant. Mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, non, 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 Lucille, non, maman. Oh mon dieu. Lucille, tu dois partir. Non. Je vais me sacrifier pour mon enfant! Lucille, non! Oh putain, c'est là qu'il y a la scène avec ma maman. Notre personnage devra-t-il se sacrifier aussi pour sauver son pays? Arrivera-t-il à empêcher l'hiver nucléaire en Tandor? Toutes ces questions restent actuellement sans réponse. En plus de cette histoire épique et mystérieuse, nous avons un rival tout nul, Théo. Un gros gamin de 12 ans que personne n'aime, même pas son père. Oh là là... Théo, t'as vraiment une tête de paix, hein. Oh là là, on dirait les petits enfants qui t'emmerdent à la récré quand t'es petit. Ce mec m'énerve. Je suis désolé les Théo, hein. Vous avez été nombreux à râler, mais en même temps, regardez qui vous représente. Hein. Je m'appelle Théo et je suis trop fort. Bah alors Théo, t'as peur? Je le déteste ce mec, c'est un cauchemar vivant. Notre équipe n'est pas en reste, elle est composée de plusieurs stars. John Michon, le starter, monstre raptoresque mais adorable. Quelle puissance John Michon, vas-y montre-nous. Voilà. Oh mon dieu! Michel Oiseau, le pigeon qui a un cri trop stylé et sur qui on peut toujours compter. Allez Michel Oiseau. Toi tu ne m'as jamais déçu, tu ne me décevras jamais, je le sais Michel Oiseau. Qu'est-ce que c'est que ça? La limace bizarre mais gentille qui aime s'occuper des enfants. Oh l'œuf déjà? C'est complètement hors de propos, mais... Et Falouze, le singe dépressif, qui a toujours le mot pour ruiner le fun. Qu'est-ce que ça t'inspire, Falouze, toute cette situation? On va tous mourir et tout le monde s'en foutra et mettra des pouces bleus. Enfin, ce let's play est collaboratif. Chaque semaine, vous votez pour un défi que j'appliquerai la semaine suivante. Ces défis allant de choses difficiles à réaliser en jeu à des défis où je me ridiculise en vidéo. Pour votre plus grand plaisir sadique. Que vous ayez hâte de voir la suite du let's play ou que vous sautiez en route, n'hésitez plus. Et je vous dis à la semaine prochaine.